Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux d'être avec vous dans cette grande édition de la soirée. Voici pour vous le sommaire. Démantèlement des réseaux électriques de fortune appelée toile d'araignée sur le territoire national. C'est un projet dont la phase pilote est lancée par le directeur général de la société béninoise d'énergie électrique dans la commune d'Aboumé-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Révier. Vous verrez les images dans un instant. Et puis Marabout Chéri est assurément l'une des toutes dernières productions de l'univers cinématographique africain après la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, ce long métrage était au programme ce samedi à Canal Olympia de Cotonou. Nous allons partager avec vous les toutes premières réactions du public béninois. Et puis enfin, nous parlerons également des 25 ans d'existence de NC Assurance avec notre invité, le directeur général de NC Assurance Bénin. Avec lui, nous allons évoquer ce qui se prépare dans le cadre de cette célébration, mais aussi les nouvelles perspectives de NC Assurance. Voilà pour vous le sommaire de cette grande édition de la soirée. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Les réseaux électriques de fortune appelés toile d'araignée sont en train d'être dégagés, démantelés sur le territoire national. C'est un projet dont la phase pilote est lancée par le directeur général de la société béninoise d'énergie électrique dans la commune d'Aboumé-Calavi, précisément dans l'arrondissement de Révier. La phase d'essai est prévue pour durer un mois. Teddy Goudalo pour les détails. Gérard Zagrodnik, directeur général de la société béninoise d'énergie électrique, supervise lui-même cette opération de branchement au réseau électrique. C'est le lancement de la phase pilote du projet de démantèlement des réseaux électriques de fortune, communément appelé toile d'araignée, sur toute l'étendue du territoire. En effet, il y a une branche du projet 2 millions d'abonnés qui prévoit que les réseaux de fortune en toile d'araignée, les réseaux en toile d'araignée dans nos localités seront démantelés dans toutes les localités où le réseau de la SBE passe normalement. Parce que comme vous le savez, ce réseau est dangereux et c'est pas du tout bon. Quand il pleut, les bois de fortune, le câble que les gens utilisent pour faire le travail, c'est des matériels précaires et donc ça ne sécurise pas du tout la population. La phase pilote de ce projet qui démarre dans cette localité de Sogan à Révier dans le département de l'Atlantique va durer un mois. Dans la zone ici, et en fait dans la grande zone de l'Atlantique, dans cette commune, la SBE a mis 41 milliards d'investissements pour mettre un réseau moderne, pour pouvoir brancher les gens, tout ça. Donc il faut aller au bout et il faut maintenant terminer l'exercice. Donc aucun doute que ça va être un succès. La zone est libérée des toiles d'araignées qui étaient source de plusieurs cas d'incendie et même d'électrocution, selon les riverains. Avant, on faisait toile d'araignée, on payait le courant plus cher chez d'autres personnes, avec toutes les conséquences. Nous tenons à vous remercier énormément, monsieur le DG. Mais en enlevant les toiles d'araignées, il faut nous aider à renforcer le réseau. Nous n'avons pas de transformateur fiable. Pour nous, c'est un grand soulagement. Ils vont pouvoir constater moins de baisse de tension, en fait, une bonne tension qui n'endommagera pas leurs appareils électriques, l'appareil comme les télévisions, l'ordinateur, toutes ces choses-là, ou tout simplement le frigidaire. Donc tous ces appareils-là vont beaucoup mieux se comporter. Donc il faut attendre ça, mais il faut d'abord mettre le réseau aux normes. C'est donc un soulagement pour ces populations du village Sogan à Aboumé-Calavi qui ont désormais accès à l'énergie électrique sécurisée et de bonne qualité. Le ministre des Enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle a bouclé sa tournée ce vendredi dernier par l'étape de l'Atakora, entreprise dans les 12 départements du pays. Depuis mardi 14 mars dernier, cette tournée du ministre Yves Tshabikwaro est de s'imprégner des difficultés auxquelles les différents acteurs du système éducatif font face sur le terrain en vue de trouver des solutions. Bien entendu, pour y remédier, la démarche du ministre saluée par tous les acteurs concernés témoigne l'intérêt et qu'il accorde à l'amélioration des performances scolaires. Alassane Arounan, Abdou Sabi Drissou. C'est la dernière étape de la tournée du ministre à charge des enseignements secondaires. À Natitengou, pour le compte du département de l'Atakora, Yves Tshabikwaro est venu s'imprégner des difficultés qui minent le système éducatif. Ici, les différents acteurs conviés à cette séance vont énumérer les facteurs qui militent en défaveur de meilleures performances scolaires. Ces problèmes ont pour nom
l'insuffisance des centres de formation professionnelle, l'insuffisance des lycées techniques, l'insuffisance des salles de classe, l'insuffisance d'enseignants qualifiés, notamment les professeurs certifiés, surtout en sciences, le problème de formation des aspirants au métier d'enseignant, la presque inexistence de laboratoires et de bibliothèques équipées dans la plupart de nos collèges à second cycle. Nous allons ensuite parler de l'insuffisance du matériel roulant. Nous avons un seul véhicule pour 8 inspecteurs et nous n'avons pas de CVA pour conduire le dit véhicule. Toutes ces préoccupations sont prises en compte par le gouvernement au dire de l'autorité ministérielle qui a d'ailleurs mis l'accent sur les réformes engagées et les orientations données pour rendre performant le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. À toutes ces préoccupations, nous avons donné des réponses. Heureusement, c'est des chantiers que nous avons déjà ouverts. Nous travaillons déjà sur ces chantiers pour donner satisfaction donc, aux différents acteurs. Ce que nous aurons à faire, donc, c'est d'accélérer l'exécution des chantiers et surtout d'imprégner une gestion, mettons, rapprochée des acteurs. Il faut noter que les différents acteurs ont salué les réformes en cours. Ils ont également salué les mesures, mettons, sociales prises par le gouvernement tout récemment, l'exonération de la contribution des filles au second cycle. Ils ont salué également le programme AME, ils ont fini par comprendre ce que c'est. Cette tournée est l'expression de la volonté du ministre engagé à améliorer l'offre éducative et les performances scolaires. Nous sommes très honorés de recevoir la délégation du ministre aujourd'hui et nous le remercions pour son leadership qu'il met au service de la modernisation de notre système éducatif. Un dispositif composé de panneaux solaires et de bonbonnes pouvant permettre l'irrigation d'un quart d'hectare a été remis au responsable du lycée agricole de Natitengu. Un don de la Société nationale de mécanisation agricole, très salué par tous les acteurs. Je vous l'annonçais en titre, la filiale NC Assurance, leader du secteur des assurances au Bénin, célèbre ses 25 ans d'existence, justement avec confiance et de nouvelles perspectives. Et pour en parler, je reçois ici le directeur général de NC Assurance Bénin, M. Fabrice Agbouta. Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition. Bonsoir, M. Guédéna. Allez, comment se porte NC Assurance? Mais déjà, je tiens à vous remercier, M. Guédéna. Vous et toute la direction de Canal 3, merci pour l'occasion que vous nous donnez de pouvoir partager notre joie avec les populations béninoises. Je suis Max Fabrice Agbouta, directeur général de NC Assurance depuis 2019. Mmh. Je dirais que NC Assurance se porte bien. Mmh. NC Assurance est un acteur majeur du paysage économique dans notre pays, le Bénin. C'est ça. NC Assurance est une compagnie d'assurance qui œuvre chaque jour à apporter l'assistance nécessaire aux hommes et aux femmes qui lui font confiance. Mmh. En termes de présentation, qu'est-ce qu'on peut garder rapidement de NC Assurance? NC Assurance a la particularité, je dirais, d'être un acteur majeur, leader dans son secteur. NC Assurance s'est implanté au Bénin il y a 25 ans de cela. L'aventure a commencé en 1998 à la libéralisation du secteur des assurances dans notre pays. C'est ça. Et il s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, on s'était implanté sous le nom de NSAB, Nouvelle Société d'Assurance du Bénin. Et par la suite, nous avons pris le nom NCA. NCA Assurance est une des filiales du groupe NCA. Le groupe NCA, qui est un groupe panafricain d'assurance et de banque. Qui est implanté aujourd'hui dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et au Bénin, le groupe a 3 filiales. On a NCA Bank, qui s'occupe de tout ce qui est activité bancaire. Nous avons NCA Vie,
Bénin, qui s'occupe de tout ce qui est assurance des personnes, tout ce qui est assurance de retraite, les indemnités de fin de carrière. Et puis on a NTI Assurance, qui est la fille aînée, on va dire, du groupe ici au Bénin, qui a ouvert la porte aux deux autres filiales. C'est ça. Et qui fête aujourd'hui 25 ans. Justement, il y a ce sujet, un événement majeur dans la vie de NTI Assurance est en préparation ce moment. De quoi s'agit-il concrètement? Ben, comme je le disais tantôt, c'est nos 25 ans, c'est nos noces d'argent. Oui. Et il nous plaît de venir partager notre joie avec les populations béninoises et de remercier toutes les personnes qui ont cru en ce projet et qui ont cru en NSAB, qui est devenu NCA. Nos clients, bien entendu, parce que c'est notre raison d'être. Sans eux, nous ne serions pas. C'est eux qui nous ont fait confiance depuis le début. Quand nous ouvrions les portes de NCA en 98, nous avons démarré avec zéro franc. Aujourd'hui, nous avons fait du chemin et nous continuons d'exister et de jouer, je dirais, amplement notre rôle d'acteur de solidarité pour les hommes et les femmes qui nous font confiance. C'est ça. Alors, j'ai envie de dire, 25 ans dans la vie d'un homme, ce n'est pas rien, mais dans la vie d'une compagnie, comment cela a tout commencé? Alors, cette aventure, c'est d'abord, et je tiens à lui rendre hommage ici, c'est d'abord la vision d'un homme, M. Jean Kakou Diago, président du groupe NCA, africain, au cadre des assurances dans son pays, la Côte d'Ivoire, son pays d'origine, qui a pris le pari de réunir des Africains et de croire que des Africains peuvent se mettre ensemble, monter une société qui va marcher et perdurer. Mmh. C'est cela l'histoire de NCA. Donc en 95, en Côte d'Ivoire, il a démissionné de l'entreprise occidentale où il officie en tant que DG pour se réunir avec des amis et lancer NCA. Évidemment, dans sa vision panafricaine de construire une réussite africaine, très tôt, il a jugé utile de sortir des frontières de la Côte d'Ivoire. Et la première destination qui a accueilli le groupe, c'est le Bénin. C'est notre pays, le Bénin. Il s'est associé à des hommes et des femmes béninois qui ont partagé sa vision. Ils se sont mis ensemble et ils ont créé l'ancêtre, on va dire, de NCA aujourd'hui, qui était NSAB, Nouvelle Société d'Assurance du Bénin. Donc, on va dire que nous, aujourd'hui, leurs héritiers, nous sommes très fiers de porter cet héritage parce que c'est la preuve que des Africains peuvent se mettre ensemble, travailler et réussir. NCA Assurance, je tiens à le partager avec nos populations. C'est la preuve que des Africains peuvent se mettre ensemble et réussir. NCA, c'est une société qui a été fondée par des Africains, exclusivement par des Africains, qui est gérée par des Africains et au service des populations africaines. Et particulièrement dans notre pays, le Bénin, NCA, ce n'est pas une société étrangère, c'est une société béninoise parce qu'elle est détenue par des hommes et des femmes béninois qui ont partagé la vision du président Jean Kakou Diago et nous bénéficions de l'assistance du groupe NCA depuis 25 ans aujourd'hui. Justement, alors 25 ans c'est important, mais comment cela se traduit dans la vie de la compagnie? Alors pour nous, 25 ans aujourd'hui c'est 25 ans d'apprentissage, 25 ans d'expérience acquise, c'est 25 ans à construire notre crédibilité sur le marché des assurances au Bénin. Vous savez que l'assurance est un secteur assez méconnu, mal apprécié, mais important. Comme j'aime à le dire, si important que, bien qu'il soit parfois décrié, mais il continue d'exister. Et sans assurance, le monde ne serait pas, et je le dis vraiment en toute humilité, ce qu'il serait aujourd'hui. Parce que l'assurance donne la confiance. L'assurance donne la confiance à l'entrepreneur qui prend le risque d'entreprendre. L'assurance rassure l'entrepreneur qui prend le défi de créer une entreprise. Je laisserai même les entreprises, je parlerai de monsieur, madame, tout le monde. Me voilà assuré. Voilà. Le journaliste, le couturier, le conducteur de taxi-moto, je dirais l'enseignant. Monsieur, madame, tout le monde, l'assurance rassure, protège. À la vie humaine est intimement liée le coup du sort. Et l'assurance, ce n'est que
l'organisation, on va dire, élaborée de la solidarité humaine. C'est ça, les compagnies d'assurance. Avant qu'elles ne deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui, ben, les hommes, parce qu'ils vivent en communauté, ont toujours senti le besoin de se mettre ensemble pour se protéger contre le coup du sort. Et aujourd'hui, c'est le prolongement qui a donné l'assurance. Et donc, l'assurance est utile et indispensable et est dans la vie au quotidien de chacun de nous. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, après 25 ans, ben, nous estimons avoir travaillé pendant ces 25 ans-là à construire notre crédibilité, à renforcer également notre solidité financière, parce que nous prenons des engagements que nous devons respecter. Donc, c'est 25 ans de respect d'engagement. C'est aussi, je tiens à le souligner, 25 ans pour mieux répondre aux attentes de notre clientèle, puisque nous avons appris à capter davantage les attentes de notre clientèle et à y apporter des solutions innovantes. C'est 25 ans d'innovation. Et je terminerai en matière d'innovation pour dire que NCA Assurance est la première compagnie de notre marché à avoir lancé sur l'ensemble du territoire béninois l'assistance remorquage en cas de panne ou d'accident. Aujourd'hui, c'est un service, d'autres nous ont emboîté le pas, mais c'est un service que nous, on offre déjà depuis quelques années gratuitement à ceux qui nous ont fait confiance. Je parlerai d'une deuxième innovation, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, on n'en terminerait pas. C'est qu'aujourd'hui, pour soulager les peines de nos populations, surtout celles qui sont dans les contrées les plus éloignées de notre pays, nous avons développé le règlement des sinistres via le mobile money. Ça évite aux populations, c'est plus rapide, ils n'ont pas besoin de se déplacer, de leur accord, où qu'ils soient, alors qu'avant, ils étaient obligés de venir à Cotonou juste pour percevoir 50 000, 100 000 ou 200 000. Aujourd'hui, avec mobile money, ils restent chez eux. Et NCA les indemnise. Parfait. Voilà un peu ce que 25 ans signifie pour nous. Vous êtes avec moi sur ce plateau pour porter la voix de NCA Assurance, mais derrière vous, c'est toute une équipe. Vous avez certainement un mot à leur endroit. Ah ben, beaucoup de fierté. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai remercié les clients. Mais les clients, c'est les hommes et les femmes de NCA qui prennent soin d'eux. C'est ça. Et donc, moi, je suis très fier de diriger cette équipe depuis 4 ans maintenant, d'hommes et de femmes. Certains pionniers sont encore avec nous. Il leur reste encore 2-3 ans. Voilà, certains sont encore avec nous. Comme on dit au Bénin, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Et donc, il y a ce changement générationnel qui est en cours. C'est beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance. Je leur dis merci. Et si je ne le dis pas souvent, écoutez, sachez que je suis très fier de guider cette équipe aujourd'hui et très reconnaissant de les avoir parce que c'est grâce à leur travail acharné, leur abnégation, que NCA, aujourd'hui, après 25 ans d'existence, continue d'avancer. Alors, deux questions pour finir notre entretien à l'occasion de ces 25 ans. Que peut tirer la population béninoise du nord au sud, n'est-ce pas, de cette célébration? Bon, déjà, nous, ces 25 ans au niveau de NCA Assurance, on les met sous le signe de la proximité. Davantage, je l'ai dit tout à l'heure, ces 25 ans d'expérience acquise. Donc, davantage de proximité avec nos clients. C'est la fête, c'est la réjouissance, parce que toutes les entreprises ne naissent pas et font 25 ans. Évidemment, nous espérons en faire encore. Mais nous ne comptons pas rester à Cotonou. Nous avions en début d'année fait un dîner de presse et nous avions annoncé que nous allons aller vers les populations. C'est ça. Nous avons un réseau très large aujourd'hui qui couvre le pays. Nous avons une cinquantaine d'agents généraux. Nous avons des partenariats avec un certain nombre d'acteurs économiques qui relaient notre message, qui vendent pour nous. Donc oui, nous irons dans au moins toutes les villes à statut particulier. Nous irons à Porte-Nouveau, nous irons à Parakou, nous irons à Boïko, nous irons plus loin à Natitingou pour porter le message de la réjouissance, de la reconnaissance également. Mais aussi, au-delà de la reconnaissance, c'est davantage d'innovation. J'ai parlé de deux innovations, nous en avons d'autres. Je pense que tout au long, à partir d'aujourd'hui, parce que le 7 mai, c'est particulier. Nous avons tenu à intervenir aujourd'hui parce que c'est le 7 mai 1998 que nous avons eu notre agrément. C'est ça. Que l'autorité nous a donné notre agrément pour commencer à travailler au Bénin. Et donc, je l'ai dit, nous serons très proches de nos populations. Nous allons également marquer notre caractère citoyen en développant, en relation avec notre fondation, la fondation du groupe NCA, et en partenariat également avec 12 institutions de la place, des actions à l'endroit de nos populations, des remises de dons, des accompagnements.
Et en tout cas, nous avons, avec nos équipes, construit toute une série d'activités pour que les populations béninoises puissent savoir qu'au-delà d'être un agent économique, nous sommes avant tout un agent social. Social parce que nous intervenons en indemnisant. L'année dernière, c'est près de 6 milliards de francs CFA d'indemnisation que NCA a servi aux populations, quel que soit le type d'assurance, que ce soit en assurance santé, en assurance automobile, en assurance lorsque les biens qui sont assurés subissent des coups du sort. Et donc voilà, nous allons continuer à œuvrer et nous faire sentir davantage. On dit souvent, je terminerai par ça, que l'assurance est un peu fermée, mais nous allons travailler à faire en sorte que monsieur et madame tout le monde comprennent que l'assurance c'est pour eux tous. C'est ça. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, le coût du sort est intimement lié à la vie humaine. Eh bien, l'assurance est là pour vous accompagner. Nous allons vous démontrer, continuer à vous démontrer qu'avec NCA, vous êtes en de bonnes mains. Et nous allons terminer avec une dernière question. Comment vous voyez l'avenir de NCA Assurance au Bénin dans les 25 prochaines années? Avec beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition. Nous sommes au niveau de notre pays dans une phase, je dirais, d'ascension, hein, de refondation de notre tissu industriel et économique. NCA a toute sa part à jouer en tant qu'acteur économique majeur. Beaucoup d'ambition pour accompagner le développement socio-économique de notre pays, et toujours au service et à l'écoute de nos populations. Et comme je l'ai dit, qu'elles soient rassurées qu'avec nous, elles sont en de bonnes mains. Parfait. Merci à vous, M. Fabrice Agouta. Je rappelle que vous êtes le directeur général de NCA Assurance au Bénin, justement. Votre filiale célèbre ses 25 ans d'existence. Bonne fête à vous et bonne continuation. Merci bien, M. Par contre, à Zakota, là où nous allons nous rendre à présent, l'avenir est bien sombre. De nombreuses maisons et des salles de classe décoiffées ainsi que des blessés. C'est le bilan issu des derniers pluies qui se sont abattues sur le village de Tindi, à Djoukou, dans la commune de Zakota. Les populations, depuis lors, dorment à la belle étoile. Les écoliers, de même que les enseignants de l'école publique de la localité, sont exposés aux intempéries. Voici les images. Plus d'une vingtaine d'habitations détruites et les habitants à la belle étoile. À Tindi, à Djoko, dans la commune de Zakota, les dernières pluies qui se sont abattues sur le village ont causé d'innombrables dégâts. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais en plus des dégâts matériels, on dénombre également de nombreux blessés. Impuissants face à la situation, certains sinistrés ont trouvé refuge auprès de leurs voisins, pendant que d'autres continuent d'utiliser leur habitation décoiffée. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ils lancent un appel à la rescousse. Vraiment, je demande l'indulgence du gouvernement, ou bien des autorités de la commune, à nous venir en aide. Parce que ce qui s'est passé ici, vraiment, c'est catastrophique. Nous sommes déjà à Mekigenaku, et nous sommes déjà à Mekigenaku. Dans sa furie, la pluie n'a même pas épargné l'école du village. Plusieurs salles de classe ont vu leur toit emporté. Enseignants et écoliers sont désormais exposés aux intempéries. Nous avons 4 modules dans l'école. Nous avons vu que 3 modules de classe sont décoiffés. Les enfants jusqu'à présent sont dehors. On les a jumelés avec quelques classes. Et il y a le pléthore qui bat son plein dans les classes. Je prends la classe du CI, du CP.
de ce... À l'entrée du village, l'Iroko, qui est une hauteur de près de 15 mètres, le vent a eu raison de ses branches. Imaginez un peu la force de frappe qui est passée par ici. Nous en appelons à toutes les bonnes volontés. Le maire a diligenté une commission qui est passée pour présenter les compassions de la commune aux sinistrés. Ce n'est qu'un pas pour leur relever un peu le moral. Depuis cette pluie, atteindre à Djoko, c'est la désolation. L'assistance des autorités locales et même au plus haut niveau est vivement attendue. Toute personne physique ou morale touchée par l'ampleur des dégâts est aussi appelée à apporter sa contribution. Et puis, ce n'était pas vraiment prévu dans le déroulé de cette édition, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me laisser aller à la sensibilité du directeur général de NC Assurance qui a souhaité réagir sur ce reportage, sur cette situation des populations de Zakota. Monsieur le directeur. Ben, vraiment, monsieur Guédédon, comme vous et j'imagine beaucoup d'autres Béninois, je suis touché par cette situation. Doublement, je dirais, parce que mes premières années de vie, c'est à Boïcon que je les ai passées. Mais sans être long, je disais tout à l'heure que nous sommes un acteur social et que dans le cadre des activités de nos 25 ans, nous avions prévu déployer un certain nombre d'actions RSE. Eh bien, l'éducation étant un des axes majeurs de notre action, je prends le ferme engagement ici, devant vous et devant notre nation, que NCA se rapprochera du centre social de Tendji pour voir dans quelle mesure soulager également les populations frappées par ce malheur. L'éducation, c'est important. Sans éducation, on ne construit pas de nation. Nous allons jouer notre part. Merci à vous, monsieur le directeur général. Dans la suite de cette édition, conférence de presse des autorités départementales des collines sur l'affaire d'empoisonnement de fromage qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux face aux professionnels des médias. Les directeurs départementaux de la santé et de l'agriculture ont apporté un démenti formel à cette rumeur. L'annonce a causé une panique dans le rang des populations ainsi que des nombreux usagers qui transitent par Dassazouma et ne cessent de s'approvisionner dans la région. Cette sortie pour clarifier une situation de panique qui embrase de plus en plus les collines. Depuis peu, il circule sur les réseaux sociaux une information selon laquelle les fromages produits par la communauté Peul de Dassazouma seraient empoisonnés. Ceci en représailles aux derniers incidents survenus à Soklobo. Face aux professionnels des médias, les autorités départementales apportent un démenti formel. C'est une fausse information. Le fromage, c'est un produit béni. Ça provient du lait de vache. On ne met plus aucune chose dans le lait pur pour pouvoir transformer le fromage. Ça a un processus et c'est ça que nos femmes suivent pour pouvoir le faire. La situation qui prévaut depuis cette publication n'a pas laissé indifférentes les autorités sanitaires de la région, de même que celles en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. En collaboration avec la police républicaine, des enquêtes ont été diligentées. Nous avons un circuit habituel qui permet de remonter les informations, surtout dans le domaine de la surveillance épidémiologique et de toute situation anormale qui concerne la santé. Donc nous avons activé ce dispositif-là, mais il n'y a rien de tout ça. Ni les agents de santé des aires sanitaires concernées, ni les autorités locales, ni les structures chargées de recueillir les corps des personnes en fin de vie, ni les structures de la police n'est au courant d'une situation du genre. Personne n'a eu une plainte pour dire « Ah, voilà ce qui vient de se passer ». En attendant, on va toujours continuer par fouiller l'information. Mais à l'état où on est, on n'a pas de preuves palpables pour dire qu'il y a eu des morts qui sont dues à la consommation de fromage infecté ou bien de fromage intoxiqué. Pour le moment, les investigations continuent, mais en attendant de situer les responsabilités, les populations sont appelées au calme. Elles ont aussi été rassurées de la qualité des fromages produits et mis en vente actuellement dans le département. Je voudrais profiter pour rassurer les consommateurs de ces produits laitiers, de fromage, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que ce qui circule, c'est une rumeur. Néanmoins, nous allons conseiller à toutes ces dames, à toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette filière de veiller à la bonne conservation de ce produit.
et de profiter pour éliminer systématiquement tout produit dont l'état paraît suspect. Pourri par exemple, gâté, fermenté jusqu'à un certain degré. Profitant des caméras et micros, les autorités ont également prodigué des conseils aux fabricants de ce produit laitier. Ils sont appelés à veiller davantage à l'hygiène des récipients utilisés afin de préserver la santé des consommateurs. Et puis l'association des coiffeuses de Parakou n'est pas restée en marge. La célébration du 1er mai, ces artisanes ont l'instant d'une journée abandonné leurs ateliers pour se pencher sur les défis de leur secteur, mais surtout pour festoyer pour l'occasion. Elles se sont donné rendez-vous dans une mosquée, à l'église et dans une buvette également. Jacques Degbé, Mandela Thiogbe pour le reportage. C'est par une messe d'action de grâce qui fait suite à une prière musulmane la veille que les coiffeuses de Parakou ont lancé les hostilités de cette fête du 1er mai. Ici, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, elles ont d'abord prié et louangé le Seigneur qui leur a permis de voir ce jour. Je voudrais, au début de cette homélie, saluer votre profession pour cette initiative d'une messe en la fête du travail, en la fête de Saint-Joseph. Tout ce que nous faisons, quelle que soit notre religion, nous sommes invités à le mettre entre les mains du Seigneur. Cap est ensuite mis sur une buvette de la ville, où ces artisans ont dans un premier temps suivi une communication détaillée sur les violences basées sur les gens. La substance de la communication, c'est de dire qu'il y a différentes sortes de violences, mais que la violence ne résout pas le problème. La violence exercée sur la femme ou sur la fille n'est pas vraiment le meilleur moyen de résolution des problèmes qui se posent et qu'il faut vraiment passer par le dialogue. Après ces deux étapes, place maintenant à l'apothéose. Autour de plats copieux et dans une ambiance festive, les coiffeuses de Parakou ont marqué d'un cachet spécial l'édition 2023 de la fête du travail. On devait fêter le mois de mars et le collège était en carême. On n'a pas voulu fêter le pied, on n'a pas voulu fêter sans eux. Nous avons projeté le 1er mai qui est la fête du travail et faire soyer ensemble, communier, se partager un repas et faire un peu la fête, oublier un peu l'espèce et le souci. C'est une manière de se solidariser plus. L'artisanat à Parakou, et quoi qu'en soit ce que les gens disent de ça, est oui, l'artisanat est indivisible à Parakou. Je rends un vibrant hommage à tous ces braves dames, les coiffeuses. C'est une grande association, une association dont on n'en parle plus, parce qu'elle a fait ses preuves. Alors, ma présence à ce lieu aujourd'hui, pour cette fête, c'est juste pour les honorer, parce qu'elles méritent plus que ça. Et je salue leur présidente, qui est d'ailleurs l'une des élus consulaires des chambres de métiers. Faisant déjà preuve d'une grande solidarité au sein de leur association, les coiffeuses de Parakou sortent encore plus unis de cette fête du 1er mai et sont prêtes à relever d'autres défis pour l'évolution de leur corps de métier. Plus religion à présent, ce samedi 6 mai, l'empereur mondial de la fraternité des Ogoni au Holobé a vu devant un bon nombre de ses fidèles sa tête couronnée pour la 29e fois. La cérémonie de couronnement s'est déroulée dans son palais devant les fidèles de la fraternité mondiale des Ogoni venus de plusieurs pays de l'Afrique et du monde. Les temps forts de cette consécration sont à suivre dans ce reportage. Et bien sûr, c'est le couronnement du numéro 1 de la fraternité des Ogoni du monde entier, l'empereur Oholobe. Une énième d'ailleurs, puisqu'à ce jour, il détenait 27 couronnes à son actif. L'aisance et la pratique de la tradition, sans la sorcellerie, lui a valu deux autres couronnements, notamment celui de Oluwole Agbaye du Bénin et celui Isale Général Agbaye. Après l'arrivée en chœur de la délégation des majestés venue du Nigeria, coiffé par Oba Alaga Agbaye, l'empereur a fait son entrée dans le palais Teogboni avec une dizaine d'Amazones. Oh,
C'est à partir de ce moment que les hommages ont démarré. Suite à des essais de port de cette même couronne, où des prétendants n'ont pas survécu, unanimement, le FA a révélé au niveau des praticiens de la médecine traditionnelle pure, sans sorcellerie, du Nigeria et d'autres pays à travers le monde, que le port de la 28e couronne reste exclusivement réservé à l'empereur mondial des Ogboni, donc Kabiyesi Owolobe du Bénin. En 2003, son éminence, l'empereur mondial des Ogboni, a été élevé au rang d'Oba Oluo Agbaye. Et ce jour, samedi 6 mai 2023, tous les notables de la fraternité mondiale Ogboni aborigine lui décernent le titre de Baba Isale Agbaye. L'étape la plus importante de la cérémonie, la voici. Mais avant, le numéro 1 des majestés venues du Nigeria, Sa Majesté Alaga Agbaye, a prié avant de passer à l'exercice du couronnement du roi Owolobe. Que de la joie sur le visage des fidèles de la fraternité des Ogboni. Leur papa, comme ils l'ont tant martelé, vient d'être honoré pour la 29e fois. Owolobe même se dit satisfait pour ce 29e titre. Je suis fier, je suis très content. C'est là où la vérité m'a amené ça. De là où la vérité m'a amené ça. La vérité reste sur l'escalier. Le mensonge reste dans l'ascenseur. Ça fait aujourd'hui 29e couronne sur ma tête. C'est pas donné à tout le monde. Je remercie mes aïeux. Je remercie mon père et ma mère. La cérémonie de couronnement s'est clôturée par le départ en chœur de la délégation nigériane accompagnée par l'empereur des Ogboni avec ses Amazones avant son retour pour continuer la fête avec ses fidèles. Et puis cinéma à présent, avant de finir par le sport, Marabout Chéri est assurément l'une des toutes dernières productions de l'univers du cinéma africain. Sorti le 28 avril 2023 dernier, ce long métrage était au programme ce samedi à Canal Olympia de Cotonou. Une équipe de Canal 3 était au rendez-vous et voici le compte-rendu. Spéciale soirée cinéma ce samedi 6 mai 2023 à Canal Olympia de Cotonou. Au menu, la projection de Marabout Chéri, un film de la célèbre actrice ivoirienne Kadi Touré, du comédien sénégalais Kader Gadji et de Cheikh Ivan, journaliste ivoirien multimédia et promoteur d'événements culturels. Du ministre en charge des sports aux professionnels des médias notamment, au terme de la projection, la qualité de l'œuvre fut unanimement louée. Je suis fier. De cette Afrique qui s'exprime d'aussi belle manière. Ce que nous avons vécu dans ce film, c'est d'abord le talent, c'est la capacité à travailler, mais c'est aussi un voyage dans notre univers à tous. Après avoir regardé Marabout Chéri, je peux dire que je suis très satisfaite et très contente d'avoir vu ce film. Parce que déjà, le premier point positif, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer la suite. La plupart des films, quand on voit déjà le début, le déroulement, on pense déjà un peu que ça s'est terminé comme ci, comme ça. Mais jusqu'à la fin, on n'arrivait pas à savoir ce qui allait se passer. Donc c'est déjà très bien. Je viens de suivre une production extraordinaire qui nous replonge en réalité dans ce qu'est l'Afrique. Dans ce qu'est l'Afrique et dans ce que sont les hommes de façon générale. Je tire un chapeau à Kadi Touré, à Cheikh Ivan et à tous les autres. C'est la preuve que l'Afrique a du talent et que nous avons la capacité de faire des choses. Vraiment, je crois que moi-même, il y a longtemps, ça fait au moins plus de 15 ans, 20 ans, je ne me suis pas assis dans une salle de cinéma pour suivre le cinéma concernant le film. On se voit à la maison, c'est vrai qu'on s'ennuie, on s'endort devant la télévision, mais c'était vraiment génial, c'était un super film. Je pense que nous, au Bénin, moi, mon souhait, en tant que Béninois, j'aimerais qu'on puisse aussi refaire le même parcours que les Ivoiriens font d'habitude, tourner de ce genre de film au Bénin. En tournée de promotion de leur tout nouveau bébé, les deux acteurs principaux de cette comédie, en l'occurrence Kadi et Cheikh, ont d'ailleurs marqué de leur présence cet événement, occasion pour eux
de revenir notamment sur les thématiques abordées et la leçon à tirer de leur production. Je pense que tous les hommes dans la salle partagent mon avis. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez. En d'autres mots, les hommes béninois dans cette salle sont des infidèles. Bon, les infidèles qui se sont rattrapés à la fin, c'est ça qu'on va retenir. L'autre leçon dans cette histoire, ces histoires de marabouts, faut pas du tout y croire. Voilà, c'est de la foutaise. En ce qui concerne la question relative à la réalisation possible de Marabout Chéri 2, Kadi Touré s'est montré plutôt un peu emballé. Entre infidélité, intrigue, jalousie, maraboutage, et avec Cheikh, Kadi et Kader respectivement dans les rôles de chef d'entreprise, épouse du chef d'entreprise et marabout, Marabout Chéri vous promet 1h22 de sensations intenses. Un film à voir absolument. Et pour finir, le cyclisme en Afrique se fait de plus en plus connaître au monde et le Bénin aussi, qui s'ouvre sur l'Afrique et le monde chaque année grâce à la Fédération béninoise du cyclisme soutenue par la Société béninoise de brasserie. Cotonou a accueilli la dernière étape en se parant des plus belles couleurs du 19e Tour international du Bénin, remporté par le Maroc. Voici le compte rendu de la Siongbon, Kanya Siongbon et Rompévi. L'ultime étape du Tour international du Bénin de cyclisme a atteint la place de l'Amazon à Cotonou dans la mi-journée du samedi 6 mai. À l'arrivée, c'est l'Algérien Yassine Hamza qui s'impose sur l'étape Sefouet-Cotonou, dont le sponsor officiel est Castel Bieu. Au classement général, le Marocain Ashraf Ed Dogmi, qui a conservé le maillot jaune Castel Bieu, gagne le 18e Tour du Bénin, à la satisfaction de la Société béninoise de brasserie. Castel Bieu, la marque, c'est une marque panafricaine. Castel Bieu, c'est la reine des bières. On vient de parcourir près de 800 km avec le Tour du Bénin. Et on a gardé le meilleur pour la fin, raison pour laquelle nous sommes sur le Tour Castel Bieu avec l'arrivée au niveau de Cotonou. Une cinquantaine de coureurs ont pris part au 18e Tour. Le Bénin a présenté deux équipes, Team A et Team B, avec Ricardo Soudiade qui termine 12e de l'étape. Des années que dure ce partenariat entre la Sobebra et la Fédération béninoise du cyclisme. C'est un mariage d'amour et de raison. Donc pour nous, le seul message, c'est de pouvoir continuer. 18 ans, c'est l'âge de la maturité. Et nous estimons que le Tour du Bénin commence à gagner en maturité. Et on sent le professionnalisme année après année. Les cyclistes béninois, avec l'appui du sponsor officiel Castel Bieu, terminent 10e au classement général avec Ricardo Soudiade de Team Bénin A. Le Nigeria termine dernier au classement général avec la satisfaction d'avoir pris part à ce 18e Tour international. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À très bientôt.